Bonjour, je suis Anna Sambelli et bienvenue sur ce défi Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, on va prendre une petite phrase qui dit « Ne croyez pas tout ce que vous pensez ». Évidemment, on est tenté puisque la pensée, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui semble nous définir. On arrive même à se faire croire que c'est par la pensée qu'on trouve des solutions. Or, les pensées ne sont pas forcément à vous, première chose, et deuxièmement, elles ne sont pas toujours fiables. Je pense vous avoir déjà raconté, en sortant du désert, un jour, on commençait avec Alain à parler de côtes de mouton, de méchoui, jusqu'à ce que je m'aperçoive que, mais non, en fait, j'aime pas ça et j'avais pas du tout envie de manger de la viande. Parce que c'était le chamelier qui, à la fin du trekking dans le désert, commençait déjà à penser, en fait, au merveilleux méchoui qui l'attendait. Donc, les pensées sont quelque chose de volatile, et quand vous l'attrapez, eh bien, arrêtez de croire que c'est la vôtre. Alors, je reçois beaucoup de mails, et même de gens dans les formations en ligne que je propose, qui me disent « Je suis seule, je me sens seule, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de finir seule. » Alors, eh ben déjà, c'est une pensée, première chose, c'est une peur aussi. On a vu que les peurs, ça pouvait se travailler avec Tipeee, mais déjà, reconnaître que c'est une pensée. Je ne sais pas si vous connaissez Éric Barret, c'est un éveillé qui fait du tantrisme cachemirien. Et j'ai assisté à une de ses conférences il y a quelques années. Et la première chose qu'il a fait déjà, c'est partir un quart d'heure en méditation. Et puis pour ceux qui sont restés, il a ouvert un œil et il a dit « La solitude du cœur n'existe pas ». Alors oui, c'est pas faux, parce que ça ne veut pas dire que la solitude n'existe pas, mais la solitude du cœur. Si vous fermez les yeux et que vous faites une méditation, est-ce que vous savez dans l'instant si vous êtes seul ou pas? Est-ce que vous pouvez vous réclamer de la solitude lorsque vous avez les yeux fermés? Voilà, un bon sujet de méditation. Pour ce qui concerne Ho'oponopono, lorsque vous êtes dans cette pensée « je suis seul, j'ai peur de la solitude », sachez qu'en général, c'est rarement l'adulte qui se sent seul, c'est toujours le petit ou la petite à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez faire Ho'oponopono en vous adressant à lui ou à elle et en lui disant « je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu t'étais sentie seule. Pardonne-moi de me plaindre aujourd'hui, adulte, de ma solitude, alors que j'ai fait toute ma vie, peut-être même j'ai fait une famille, peut-être même que j'ai fait des enfants, peut-être que j'ai des amis et donc la réalité concrète c'est que je ne suis peut-être pas seule. En tout cas, j'ai la possibilité en tant qu'adulte de le gérer. » Mais en tant qu'enfant, non. Donc je dis « pardonne-moi de me plaindre de la solitude de ma vie d'adulte » alors que, en fait, la solitude que vous sentez, c'est la solitude de cet enfant. Troisième phrase, « je te remercie de m'envoyer tout ce sentiment de solitude » comme si, en fait, vous revisitiez votre passé parce que du coup, eh bien, vous savez ce que vous avez besoin de nettoyer. « Je te remercie, je t'aime. » Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et puis dans les commentaires, vous trouverez un lien si vous voulez télécharger le tout premier chapitre de mon livre sur Ho'oponopono. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain.